Je suis allé leur poser la question, c'est quoi la sophrologie? J'ai aucune idée, j'ai jamais entendu ce mot. Apprends à peut-être à réfléchir sur plein de sujets, en respirant, je sais pas. Exactement, je sais pas. Une médecine douce qui se rapprocherait pour moi d'une thérapie mentale, physiologique également, qui pourrait aider éventuellement aussi les gens, les compétiteurs, les sportifs dans le cadre voilà, de leur discipline. J'en ai aucune idée. Vraiment aucune. Sophrologie. Bon, ça vient pas du mot souffrance ? Non. Je crois que c'est un lien avec massage. C'est quelque chose de doux, de bienveillant pour le corps et l'esprit. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans une sens de sophrologie ? En fait, je sais pas. Je sais pas si c'est en rapport avec des massages ou des points sur le corps. Je sais, mais je sais pas comment l'expliquer, c'est horrible. Je ne sais pas si ça a un rapport avec le corps ou l'âme ou quelque chose comme ça. C'est quoi la sophrologie ? La sophrologie, c'est une technique mêlant yoga et méditation qui permet d'être un peu mieux, un peu plus en paix avec soi-même et de combattre ses angoisses psychiques et émotionnelles.